Bonjour tout le monde, c'est Gwendal. On se retrouve pour une nouvelle série sur Belgique profonde V, je sais pas combien, V5 on va dire. Donc, à la base, je voulais pas faire sur cette map là, mais à défaut de trouver une autre map, j'ai choisi cette fameuse, cette très belle, cette, que dis-je, unique map Belgique profonde. Donc, Belgique profonde, donc en quoi va constituer la série? Alors, déjà, on regarde l'ordre de mission. Donc là, j'ai mon ordre de mission qui va être de planter des arbres sur les bords des routes de la commune de Bodange. Alors, sachez que donc les ordres m'ont été donnés donc par Monsieur le maire et donc que je suis qu'un simple employé de commune, communément dit un cantonnier. Voilà. Donc, mon rôle est d'aller planter des arbres. Le long de la route. Bon. Donc, mon rôle étant ça, je vais aller le faire, bien sûr. Hein, on va obéir un peu aux ordres du maire. Donc, ça, c'est tout simplement. Bon, je l'ai fait à la vite fait pour l'instant, mais peut-être dans le prochain épisode ou dans les prochains épisodes, avoir un truc un peu mieux que ça. Donc, là, c'est tout simplement où on stocke le matériel de la commune. Donc, petite commune. Sachez donc que la map Belgique profonde regroupe trois communes, la commune Michamps, la commune Bodange et la commune Marbray, je crois. Et donc ça, vous le savez peut-être pas, mais ça c'est de base, hein. C'est pas moi qui les ai rajoutés. Voilà. Allez, on va aller tout simplement aller chercher du bois, des plantes de bois, enfin des plantes de bois. C'est un peu con ce que je dis. On va chercher des arbres, des arbustes. Des plants. On va chercher ça à la jardinerie. Donc j'ai un peu expliqué. Je vais pas trop expliquer le gameplay, mais j'ai surtout expliqué en quoi consiste la série. Alors comment on fait pour acheter? Voilà. Acheter. On va en acheter deux, puis un qu'on va mettre sur la palette à fourche. Donc qu'est-ce que le rôle de cette série, qu'est-ce que ça va être? Bah ça va être tout simplement, alors, oh là, voilà, ils sont là. Ça va être tout simplement de gérer une commune. Donc gérer une commune, c'est qu'est-ce que c'est? C'est aller élaguer les arbres, c'est aller élaguer les arbres, c'est aussi aller couper l'herbe à côté des champs. Donc les bas-côtés, hein, tout ce qui va être voirie, bien sûr. Pourquoi pas aussi aller vendre des palettes ou juste faire des missions de base. D'ailleurs, qu'il faudrait que je remodifie parce que les missions sur Belgique profonde ne sont pas actives, enfin sont complètement buggées. Donc, il va falloir que je joue à ça. Donc, c'est juste un petit épisode juste de mise en bouche. Donc, on va faire ça sur la commune. Donc, comme a dit le maire sur la commune de Bodange. Donc la commune de Bodange s'étend donc bah en fait en gros c'est toute la petite ville. C'est toute la petite ville jusque à la grosse TA là-bas. Donc la grosse TA fait partie de la commune de Bodange, bien sûr. Allez, on va aller donc là son colza a fané. J'ai mis off. Je vais juste vérifier un truc. Ah non. Non, c'est juste la texture de base. Parce que là, il rien dit que. Ah, y a rien qui est fané pourtant là. Non, y a rien qui est fané. Hein. Rien qui est fané. Même si ça reste un peu cheaté. Enfin, même si le PDA est un peu bizarre, oïde. Ça marche très bien. Enfin, c'est pas fané. Donc, on va aller. Donc, on va se mettre en vue intérieure. On va essayer de se mettre le plus possible en vue intérieure d'ailleurs. Allez, on va se mettre par là. Donc, on va baisser. On va mettre activer. Et on va rouler. On va rouler tout doucement. Quand même, parce que planter des arbres, ça se plante tout doucement. Hein. Donc, on va donc planter des arbres. Donc ça va être voilà la première mission que va nous donner le maire. Même si c'est pas une mission, c'est plus un. Enfin si ça peut dire une mission.
Donc il a été de planter des arbres sur les bords de la commune. Donc bien sûr j'utiliserai des mods. On attend que ça va être fini là. On va lever, on va aller en planter en face. Alors donc ça c'est vrai que pour l'instant j'ai des mods simples. Donc j'ai par exemple le petit land de base de Frabelle. Mais à venir, peut-être prendre peut-être faire, vu que je suis modeur, hein, autant profiter, faire des tracteurs avec des pancartes ou des triangles sur le toit de mairie. Enfin de mairie. En tout cas pas de mairie. De cantonnier tout simplement. Autant essayer de faire un truc assez propre. Étant modeur, autant essayer de modder bien. Alors, on va pas passer à travers la haie. On va bifurquer un peu là. Ici. Allez, on va lever. On va essayer d'en semer. Non, planter. De l'autre côté. Juste là. Et on va en planter juste là. Juste de ce côté. Alors, c'est vrai que ça peut. Puisque bon. Je m'attends à ce commentaire-là. Des gens qui peuvent dire ouais mais t'as cheaté un peu sur Casillage 87. D'où fait partie Alessa de mon ancienne team. Alors sachez que j'ai pas du tout copié sur lui. C'est vraiment pas copié sur lui. On va peut-être lever parce que là il y a du mal. On avance un peu. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas copié sur Casillage. Hein, pas du tout, enfin en tout cas c'est pas le truc que je veux que de copier puisque c'est pas mon rôle premier. Mon rôle premier c'est pas de copier sur les autres hein, c'est de faire ce qui me plaît. J'avais eu cette idée là il y a un petit moment sur FS13 où je voulais tout simplement faire des missions mais faire que des missions, donc faire une carrière suivie avec que des missions. Donc c'est un peu ce que je vais faire sur cette série hein. Tracteur là qui est bien penché avec ça, avec ce mode là sur de Frabelle, on a vraiment l'impression que ça se penche vraiment et que c'est bien fait, hyper bien fait de la part de Frabelle. Là-dessus, on peut les remercier vraiment beaucoup. Allez, encore 5%, donc encore un arbre qui me reste. Il va être planté. Allez, voilà, c'est bon, il est planté. On va dételer. On va dételer et on va aller mettre notre palette qu'on a. On va la mettre dessus. On va la mettre juste là. C'est vrai que je vois un peu mal là comment bainer, mais bon, on va bainer. Hein. On va bainer. Allez, on baine. Voilà. Puis on va l'attacher. On va raccrocher, puis on va attacher ça. Allez, on va attacher ça. Donc il me reste encore voilà, une palette à attacher. Tout dépend. Nine. Ah bon, bah, elle est tombée. C'est pas grave, elle est remontée. On va réactiver ça. On va baisser ça. Et on va avancer ça. Très bien. Donc on va encore en planter. On va continuer. L'action va continuer. Donc sachez que donc, le maire est donc maire de Bodange à la base. Hein, donc c'est le maire de Bodange. Mais étant donné que la commune de Michamps et la commune de. Comment il s'appelle l'autre, je sais plus. Mabray, ouais, c'est ça, Mabray. N'ont pas de maire, n'ont pas de conseils municipaux. Bah du coup, bah le maire fait aussi office de maire dans ces communes-là. Sachez que ça se fait hein, dans les petites communes du sud de la France, généralement, les tout petits villages, bah qui n'ont pas de maire, qui n'ont pas de conseils municipaux, étant donné que généralement dans ces communes-là, il y a généralement 3 habitants, donc c'est pas possible. Mais bon, enfin, voilà. Après, donc c'est un maire, c'est un conseil municipal d'une autre commune, une plus grosse commune voisine, qui va s'en occuper. Allez, on va en planter pas mal par ici. Et donc, pour le prochain épisode, peut-être faire un truc un peu mieux. En tout cas, mais pour l'instant, on a été employé il y a pas très longtemps, donc
Forcément, on doit essayer de bien obéir au maire. Et pourquoi pas après, pourquoi pas devenir maire et ou avoir d'autres employés, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir d'autres employés, d'autres collègues? Parce que pour l'instant, je suis tout seul à s'occuper de toutes ces communes-là. Alors ça peut des fois que le maire me téléphone hein, pour me donner des ordres ou pour parce qu'il veut me parler tout simplement. J'aimerais bien qu'un arbre tombe là. Non, c'est pas grave. On va lever l'arrière. Allez, on va lever l'arrière et on va simplement essayer de remonter. Alors la caméra ne suit pas. C'est formidable. Allez, on accélère un peu. Donc j'ai pris le T6 hein, pour vraiment avoir un peu de puissance. Ça veut pas avancer là, par contre. Bon bah, on va lever. Même en levant, ça veut pas avancer. Ah, donc c'est vraiment que la pente est vraiment trop raide pour monter avec le tracteur. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà se planté pas mal d'arbres ici. Alors après, c'est vrai que je pourrais travailler avec les agriculteurs dans cette série-là, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a une grosse ferme, il y a une grosse ferme et deux ETA. Donc profiter pour travailler avec ces gens-là. Donc quand il va s'agir de aller livrer, je sais pas, du matériel ou quoi. Sachez aussi, et ça je l'ai pas dit au début mais j'aurais dû le dire, que pour du... Donc là j'ai pas beaucoup d'argent, la commune n'a pas beaucoup d'argent. Donc si un jour je dois avoir du gros matériel, bah, j'ai tout simplement installé le mode qui permet de louer des véhicules. Donc comme ça je pourrais louer bah, du matériel, pourquoi pas, pour pour l'instant c'est vrai que j'ai pas beaucoup besoin, mais quand il va s'agir peut-être de acheter les ponces là pour aller couper des arbres, et bah là ça va peut-être être utile d'avoir ce mode là qui peut louer des véhicules. Ça peut être pratique, en tout cas. Ça peut être bien pratique. Allez, on va arrêter de semer là étant donné de planter par là parce qu'on en a déjà planté pas mal. Allez, on en a déjà planté pas mal, on continue, on va planter genre un autre arbre et puis après on va se quitter là. Enfin, on va se quitter. On va arrêter de planter. Allez, c'est bon. Attention, je ne pousse là. On va essayer d'en planter au-dessus là. On a encore 8 arbres, il me semble. Ouais, c'est à 8. Allez, on va planter là. Allez, voilà, on va lever parce que là il y a le petit passage, la petite entrée de champ. J'ai rabaissé. On replante. On va en planter sur tout le haut de là, tout le haut de la plateforme. Donc cette plateforme-là pourrait être utilisée après pour faire des, je sais pas, installer peut-être construire un hangar, pourquoi pas. Pourquoi pas, je sais pas, on verra en temps voulu. Pour l'instant, c'est vrai que la commune n'a pas beaucoup d'argent. La commune n'a pas beaucoup d'argent pour l'instant. Mais avec les impôts des habitants, donc il n'y a pas beaucoup d'habitants. Hein. Il doit y avoir sur les trois communes, il doit y avoir autant de vaches que d'habitants. Autant de vaches que d'habitants, ça c'est fort possible. Mais non, il ne doit pas y avoir beaucoup d'habitants. Je sais pas compter encore, le recensement n'a pas été encore fait, mais ça ne serait tardé de venir. Allez, c'est bon, on a tout planté. Allez, c'est bon, on arrête la machine. On va essayer de redescendre de là. On va faire assez attention parce que c'est quand même bien pentu. Ah, je me concentre bien pour. Voilà. On peut accélérer. Avec les belles suspensions de Frabel. Très bien joué de leur part. Et on va attendre tout simplement que les arbres poussent et qu'on ait des arbres qui viennent embellir notre belle ville de Bodange. Voilà. Bon, donc c'est là. Donc là il y a tout le matériel. Ok. Voilà. On va tourner là. Oh, petite madame. Très bien. On va ranger ça juste là. Voilà, on va faire une petite marche avant, petite marche arrière, on va poser ça, et c'est bon, on détache.
Voilà, donc la petite mission a été faite, donnée par le maire. Donc on va voir, prochaine mission donnée par le maire dans un prochain épisode. Je vais faire exprès de faire des épisodes assez courts pour essayer de proposer pas mal de contenu. Étant donné que je crois que je vais faire un autre épisode à suivre. Du coup, les modifications, les petits panneaux ne seront pas faits sur les véhicules. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Donnez des missions en commentaire, ça peut être marrant de. Voilà, que les gens donnent des missions en commentaire. Ça peut me faire rire. Des missions, donner des missions, hein, ça peut. Je sais pas, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, qui reste encore dans un domaine communal. Voilà. Dans un domaine communal. Donc merci à tous, donnez-moi des missions, et à la prochaine pour une prochaine mission donnée par notre gentil maire.